Et voilà, on se retrouve donc pour un tuto carterie. Avant de commencer ce projet, allez voir dans vos chutes pour voir s'il n'y en a pas qui peuvent correspondre. Moi, par exemple, ça, c'est une chute, j'ai pas mis le rond entier. C'est pas grave parce que de toute façon, j'allais le couper. Tout ça, ce sont des chutes. Hein. Tout ce que j'utilise là, ce sont des chutes. Vous voyez, là, c'est pareil, le rond, il n'est pas entier. C'est pas grave, il va aller en haut. On va mettre la déco en bas. Je vais me mettre à 6. Donc, j'en ai plusieurs, mais celle-là, elle est sortie. Donc, c'est parti. Je les utilise, tant qu'à faire. Donc, ici, on va placer, mais avant, je veux mettre un ruban qui va aller ici. Donc, soit vous le mettez directement avec de la colle, etc. Là, pour le ruban, moi, je vais utiliser du double face. Tac. Ça, je le passe de l'autre côté, ça de l'autre côté, et je viens défaire ici. Voilà mon ruban. Là, je le passe de l'autre côté et je le passe de l'autre côté, ici, hop, ici, hop. J'essaie de me caler sur mon ruban. Du coup, ici, c'est plus large et ça me convient parfaitement. Je reprends ici. Là, je vais faire une perfo. Un poinçon comme vous voulez, je mets un bras ici, on ouvre ici, on ouvre et je viens coller derrière un autre. De telle manière à ce que on ne voit pas le bras en question. Je trouve que ça fait une finition un peu plus jolie. Voilà. Ici, je viens mettre de la colle sur le bas. Ici. Jusqu'au ruban. Et je vais jusqu'au bord. Et je solidarise le tout. Voilà.